Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et surtout bienvenue. Au nom de Soprasteria, je suis vraiment ravi de vous accueillir aussi nombreux ce soir au musée du Quai Branly. Je crois que nous sommes à peu près 400 personnes. Ça fait maintenant plusieurs années que nous vous proposons de nous retrouver pour une soirée placée sous le signe de l'art, de notre engagement en tant qu'entreprise responsable, et bien sûr de la convivialité, parce que c'est aussi l'un de nos grands objectifs, partager un grand moment de convivialité avec vous. Alors, au fil des années, nous nous sommes rencontrés au musée d'Orsay, au musée de la Marine, au Grand Palais, ou encore l'année dernière à l'Institut du Monde Arabe. Et à chaque fois, nous avons évoqué les enjeux d'accès à l'eau et à sa préservation, un sujet sur lequel Soprasteria est très engagé. Mais ce soir, nous avons choisi d'aborder une thématique différente, mais tout aussi importante et engageante en tant qu'entreprise responsable. Et si nous avons choisi de vous accueillir au musée du Quai Branly, ce n'est pas un hasard. Alors pourquoi ce musée? Déjà, il fête cette année ses 10 ans. Mais aussi et surtout, ce musée est celui des arts et des civilisations. Or, nous connaissons aujourd'hui une véritable révolution technologique, sans doute de loin la plus importante depuis la révolution industrielle du 19e siècle, et qui commence clairement à façonner une nouvelle civilisation. Et donc, tout simplement, le thème que nous vous proposons ce soir, c'est, comme vous l'avez vu, le numérique, genèse d'une nouvelle civilisation. Vaste sujet. Beaucoup de choses, presque tout a été dit sur la révolution numérique. C'est pourtant une histoire très récente. Cette révolution, elle a réellement débuté avec l'avènement d'un tout petit engin, tout petit, un engin que chacun d'entre nous tient désormais dans sa poche, un smartphone. Ça fait 9 ans, pas plus que ça. À la fin des années 90, bien sûr, ce qu'on appelait alors la nouvelle économie a été ce que j'appellerais un faux départ. Un départ très actif, mais un faux départ, ce qui a été suivi de l'éclatement de la bulle Internet dont tout le monde se souvient. Mais avec l'apparition du smartphone, en 2007 donc, toutes les potentialités offertes par les technologies digitales se sont trouvées réunies dans ce seul et même objet révolutionnaire. Et c'est véritablement en 2011-2012 que nous avons réellement ressenti les effets en Europe de cette déferlante. Tous les secteurs de l'économie, toutes les entreprises, aussi bien B2C que B2B, les ont ressentis. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est apparu le terme de GAFA, dont la paternité revient au passage aux Européens, sans doute très inquiets de la puissance des monstres américains Google, Apple, Facebook et Amazon. Depuis 2015, on est passé au TUNA, un nouvel acronyme désignant Tesla, Uber, Netflix et Airbnb, quatre entreprises emblématiques de ce qu'on appelle la disruption numérique. Alors on voit bien que cette révolution a suscité et suscite encore beaucoup de fantasmes. Alors en 2016, quel constat peut-on faire? Je ne vous apprendrai certainement rien du tout en vous disant que la révolution digitale constitue un véritable choc pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ses effets sur l'emploi sont encore incertains. On crée des emplois, on en supprime aussi. Et comme dans chaque révolution technologique, on ne voit pas bien encore l'émergence de nouveaux métiers qui ne vont pas manquer d'arriver. Donc une grande question et beaucoup d'incertitudes autour de l'emploi. Cette révolution digitale, évidemment, elle est vécue différemment en fonction de la génération à laquelle on appartient, de son niveau d'éducation, de qualification. Elle peut constituer une formidable opportunité pour les entreprises, comme une très grande menace, parce qu'elle remet en cause l'essentiel des business models. Mais une chose est vraiment sûre, elle s'impose à tous et personne n'a la possibilité de s'y soustraire. Alors bien sûr, certains voient dans cette révolution un train fou, un train lancé à très grande vitesse qu'on ne maîtrise plus du tout. Ça, c'est la vision la plus noire. Une révolution, ça a toujours quelque chose d'inquiétant, tant qu'on n'en connaît pas l'issue.
Mais si on fait un léger retour en arrière, globalement, la plupart des révolutions technologiques se sont faites in fine pour le meilleur. Donc nous devons clairement être positifs et aller de l'avant. Chez Soprasteria, comme vous tous ici, nous sommes à la fois acteurs et observateurs privilégiés de la révolution digitale en cours. Et cette révolution chez Soprasteria, nous voulons la conduire de manière responsable parce qu'elle a un impact très fort sur notre société. À travers notre fondation, Soprasteria Institut de France, nous soutenons et nous promouvons des projets digitaux innovants et solidaires à destination de populations vulnérables. Concrètement, avec l'implication de nos collaborateurs, nous appuyons actuellement 12 projets et dans le cadre de notre prix étudiant, nous avons permis à des étudiants de développer une solution autour d'un verre connecté qui permet une meilleure surveillance de l'hydratation des personnes âgées. Voilà un exemple. Aujourd'hui, ces étudiants ont créé une start-up et nous continuons à les accompagner. Nous avons aussi décidé de nous associer à la chaire numérique du Collège des Bernardins, au même titre d'ailleurs que de prestigieuses entreprises comme Orange ou la Société Générale qui sont représentées ici ce soir. Cette chaire associe des chercheurs, des économistes, des anthropologues, des sociologues et des acteurs du numérique. Et son objectif, c'est d'étudier et d'anticiper les impacts du numérique. On y réfléchit sur des thèmes très concrets et très variés. La transformation du travail, l'éducation, l'apprentissage, la culture, la confiance, la gouvernance, l'emploi, la solidarité et l'exclusion. Vous voyez qu'il y a tout un programme. L'ambition affichée, c'est de concevoir le développement du numérique comme un progrès pour l'homme et faire naître un humanisme numérique. Et c'est dans cet esprit que nous avons souhaité écouter ce soir un grand penseur. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir Luc Ferry dans quelques minutes. On ne présente plus Luc Ferry, philosophe, ancien ministre. Luc Ferry est l'auteur de nombreux ouvrages qui sont diffusés dans le monde entier, dont le dernier, La révolution transhumaniste, ou Comment la technomédecine et l'ubérisation vont bouleverser nos vies. Dans son livre, Luc Ferry, loin des nostalgies du passé, nous propose de comprendre le transhumanisme pour mieux préparer l'avenir, sachant que le numérique est l'une des composantes, avec la biologie, le cognitif et les nanotechnologies du transhumanisme. Il nous donnera sa vision d'ici quelques minutes. Ensuite, Émilie Salaberry, spécialiste des arts premiers, qui a notamment officié pour l'UNESCO, partagera avec nous sa passion des civilisations présentée dans ce musée. Et enfin, vers 21h, nous aurons la chance de visiter tous ensemble les collections du musée et de partager un moment de convivialité dans cet endroit qui est fascinant. Voilà, il est temps maintenant d'écouter Luc Ferry. Il me reste à vous remercier encore très chaleureusement toutes et tous pour votre présence ce soir. J'espère vraiment que vous passerez une excellente soirée parmi nous. Et je vous invite maintenant à accueillir très chaleureusement notre invité, Luc Ferry. Merci à vous. Très grand merci à vous pour ces gentilles paroles d'accueil et puis merci à vous tous d'avoir la bonté de m'écouter ce soir. Je commencerai par une remarque toute bête. Je regarde les thèmes de la campagne électorale aujourd'hui et nous allons tous manquer ce grand débat. Enfin, bonne nouvelle. Et j'ai regardé les thèmes de campagne. 80% est sur immigration, islam, terrorisme. On a vraiment un biais, je vous le dis très, très sincèrement, très directement. Ça n'est pas Daesh qui fera le 21e siècle, ça n'est pas vrai. Daesh, c'est un caillou extrêmement coupant dans la chaussure. Évidemment, pour ceux qui ont vécu
Le Bataclan ou Nice, c'est une horreur absolue. Mais encore une fois, ça n'est pas Daesh qui fera le 21e siècle. Ceux qui feront le 21e siècle, c'est ceux que vous avez cités, cher Président, c'est-à-dire les GAFA et les TUNA. Pour l'instant, Google, Apple, Amazon, Facebook, toute la plateforme de la troisième révolution industrielle, toute la plateforme de l'innovation du monde aujourd'hui, à la fois du côté du transhumanisme, des biotechnologies et du côté de l'économie collaborative, tout est américain. Quand ça n'est pas américain, c'est chinois. Quand ça n'est pas chinois, c'est israélien. Et quand c'est pas américain, chinois ou israélien, c'est suisse, à cause ou grâce aux laboratoires pharmaceutiques de Suisse qui sont extraordinairement énormes. Mais 95% de la plateforme technologique du monde qui vient est américaine, vient de la Silicon Valley. Et je vous le dis très, très clairement, très directement aussi, sur le plan économique comme sur le plan de la santé, le monde va changer davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Et la France n'est pas dedans, l'Europe n'est pas dedans pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas des start-up magnifiques, c'est pas ça que je pointe, mais la plateforme technologique et scientifique de la troisième révolution industrielle, elle est encore une fois extra-européenne aujourd'hui, et c'est un vrai problème. C'est le problème numéro 1. Pratiquement 95% de la campagne électorale devrait porter sur cette question-là. Donc je voudrais vous raconter deux choses, simplement, avant de conclure. Un, qu'est-ce que c'est que la troisième révolution industrielle? Deux, quelles sont ses caractéristiques, ses retombées potentielles, et pourquoi ça devrait être la préoccupation numéro 1 de nos politiques aujourd'hui, sans faire aucunement de politique politicienne qui ne m'intéresse pas. Donc premier point, qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? Avant d'en venir à ces deux retombées que sont d'un côté l'économie collaborative, de l'autre le projet transhumaniste et les biotechnologies. Alors j'ai regardé ça de très près, c'est compliqué, c'est un débat entre économistes, sociologues, philosophes parfois, mais rarement, parce que les philosophes aujourd'hui connaissent très peu les sciences et très peu l'économie, mais en gros, et pour aller à l'essentiel, ma conclusion est la suivante. Pour qu'il y ait révolution industrielle, et c'est d'ailleurs un thème tout à fait passionnant, pour qu'il y ait révolution industrielle, il faut que trois éléments soient associés. Gardez bien ça en tête pour comprendre justement la nature tout à fait particulière de la troisième révolution industrielle, celle que nous vivons aujourd'hui. Entre parenthèses, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Je pense que Klaus Schwab, le fondateur du débat de Davos, économiste suisse-allemand, se trompe en parlant de quatrième révolution industrielle. Il vise la robotique et l'intelligence artificielle. Ça fait évidemment partie de la troisième. C'est important de voir qu'une révolution industrielle, c'est épais dans le temps. Ça dure une centaine d'années. Je vous dis d'ailleurs tout de suite pourquoi. Ça dure une centaine d'années parce qu'il y a un moment qu'on pourrait dire schumpeterien, c'est un moment où l'innovation détruit les mondes anciens. Par exemple, Airbnb pose des problèmes aujourd'hui aux hôteliers, ou Uber pose des problèmes aux taxis. Donc il y a un moment où l'innovation met en question des pratiques et des emplois anciens. Et puis il y a un moment où, ce que Schumpeter appelle la synthèse créative, il y a un moment où, l'innovation rend les emplois, en quelque sorte, qu'elle a détruit. Et ces emplois qu'elle rend, malheureusement, ce n'est pas les mêmes qu'avant, ce n'est pas dans les mêmes secteurs. Amazon crée beaucoup d'emplois aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément les emplois des secteurs que Amazon est en train de détruire. Je vous donne d'ailleurs tout de suite un exemple pour qu'on se comprenne bien. Il y a 3000 librairies en France. Il en restera 300 dans 10 ans, parce que Amazon aura détruit très largement le réseau des libraires. Amazon crée des emplois, mais pour le malheureux libraire de Carpentras ou d'Auxerre qui ferme sa librairie, si vous lui dites, mon ami, c'est pas grave parce que tu perds ton emploi, tu perds ta boîte, mais Amazon crée d'autres emplois, il y a juste un détail, c'est pas chez toi et c'est pas pour toi, ça va pas le consoler beaucoup. C'est ça qu'on va vivre. On va vivre énormément de destruction d'emplois, énormément de recréation d'emplois, et pas simplement d'emplois aussi. Des mondes entiers vont disparaître, des métiers entiers vont disparaître. Et le problème de la transition devrait préoccuper nos politiques comme étant le problème numéro un des 10 années qui viennent. Je vous donne d'ailleurs un chiffre. On détruit 10 000 emplois par jour en France, par jour. On en recrée 9 000 par jour. Si nos politiques n'étaient pas des branques, le différentiel serait le contraire, parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Il y a 7 pays d'Europe qui sont au plein emploi aujourd'hui. Mais en gros, c'est, voilà,
arrondissons les chiffres, on détruit 10 000 emplois, on en recrée 10 000. L'économie collaborative et le numérique et l'automatisation et l'intelligence artificielle vont augmenter considérablement ces moments de destruction et de recréation. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, juste ça supposerait que les politiques soient capables de comprendre la transition, d'organiser la transition entre des métiers qui disparaissent et des métiers qui se recréent. Ça pose évidemment un problème de formation permanente, mais si nos politiques découvrent le bon coin il y a 15 jours, c'est un peu gênant. Donc j'y reviens, qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? Mais je voulais dire ces quelques remarques préalables pour qu'on perçoive les enjeux des années qui viennent. Une révolution industrielle, je vous le disais, il faut que trois éléments soient associés, sinon on n'a pas de révolution industrielle. Il faut, un, une nouvelle source d'énergie. Il faut, deux, et gardez bien cette structure en tête parce qu'elle est très puissante. Il faut, deux, que cette nouvelle source d'énergie permette, un, de nouveaux modes de communication, des idées. Et puis, deux, de nouveaux modes de communication des personnes et des choses. Donc, communication intellectuelle d'un côté, communication physique de l'autre. Donc, une nouvelle source d'énergie, des communications intellectuelles nouvelles qui apparaissent, des communications physiques qui apparaissent. Et puis, troisième élément, il faut que ces deux premiers éléments engendrent une nouvelle organisation de l'économie. Je donne tout de suite un exemple, la première révolution industrielle. On est en 1769, Watt invente la machine à vapeur. Ça a l'air de rien, la machine à vapeur, mais ça va permettre une communication des idées nouvelles, c'est-à-dire la démocratie et l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que la machine à vapeur, elle va très rapidement être couplée avec la machine à imprimer de Gutenberg. Ça s'appelle les rotatives. Je vais vite, mais je crois que c'est assez clair. Les rotatives, ça permet l'impression des journaux au stade industriel, et ça permet aussi l'impression des livres bon marché, des manuels scolaires. Quoi qu'on pense de la presse, sans la presse, il n'y a pas de démocratie. Et sans manuel scolaire, il n'y a pas d'éducation nationale. Ça, c'est la communication des idées rendue possible à l'échelle industrielle et donc démocratique par l'invention par Watt de la machine à vapeur. Et puis communication physique, hein, je dis toujours communication intellectuelle, communication physique, évidemment, c'est la naissance du chemin de fer qui va permettre de transporter les personnes et les choses. Et troisième élément de la première révolution industrielle, c'est la naissance de l'usine. L'usine qui est par avance le contraire de l'économie collaborative. Elle est super hiérarchisée, super centralisée. Et cette usine, c'est aussi la naissance des grandes villes, de la classe ouvrière, bref, du monde industriel moderne. Et puis vous avez un siècle après, c'est pour ça que je disais une révolution industrielle, c'est épais dans le temps. Il y a un moment schumpeterien, un moment keynésien, un moment de destruction des mondes anciens, un moment de recréation d'objets de consommation et d'emplois nouveaux. Et si les gens sont pessimistes aujourd'hui, c'est parce que, je le dirai tout à l'heure, dans la phase actuelle, on est toujours dans la phase de destruction pour l'instant. Vous voyez par exemple le conflit entre Airbnb et les hôteliers, entre Uber et les taxis, hein, qui sont emblématiques de l'économie collaborative. Eh bien, un siècle après, Edison invente l'ampoule électrique, un filament. Hein, parce qu'on a ici, ça c'est des LED, c'est fini les ampoules à filament, mais à l'époque c'est une révolution. Et presque aussitôt après, on invente le moteur explosion. Électricité, moteur explosion, nouveau mode de communication des idées, c'est le télégramme, et puis le téléphone, et puis la radio, et puis la télévision. Sans électricité, ça marche moins bien. Et puis de l'autre côté, on a le camion, la voiture, le train électrique qui va beaucoup plus vite que le train, que le chemin de fer à vapeur. Et puis on a l'avion à hélice. Donc deux modes de communication nouveaux, intellectuels et physiques comme toujours. Et puis troisième niveau, on a la naissance des multinationales, sans téléphone et sans avion, pas de multinationales. Internationalisation de l'entreprise, de l'économie et du commerce. Je vais très vite, mais sur ces deux premières révolutions qui sont écartées par un siècle, on pourrait écrire un livre entier. Troisième révolution industrielle, celle que nous vivons aujourd'hui, celle qui m'intéresse et qui va bouleverser totalement nos vies, sur le plan de la santé comme sur le plan de l'économie, mais aussi par exemple de la mobilité. La Google Car, elle est en parfait état aujourd'hui, elle marche parfaitement. La voiture autopilotée, qui est un formidable progrès. Moi qui suis passionné de voiture, fais des courses automobiles, je reconnais que la voiture autopilotée, c'est quand même un progrès extraordinaire. Plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, ni dans le Var, parce que les mecs peuvent voir autant qu'ils veulent, mais il n'y a plus de volant, donc c'est pas grave. Plus besoin de permis de conduire, urbanisme qui va changer. C'est absurde de construire des parkings dans les villes aujourd'hui. Il faut les mettre aux périphéries des villes, etc. Mais plus d'accidents de voiture, quasiment plus.
Bon, tout ça est fascinant. Mais les deux domaines dans lesquels ça va tout changer, cette troisième révolution industrielle, encore une fois, c'est la santé et l'économie collaborative du peer-to-peer, du particulier à particulier, par une application comme celle d'Airbnb ou de Uber, qui repose sur trois piliers de la troisième révolution industrielle, l'intelligence artificielle, le traitement du big data et les capteurs, les objets connectés, tout simplement. J'y reviendrai dans un instant, mais à chaque fois, je vous donne un peu le paysage global. Troisième révolution industrielle, quelle est la nouvelle source d'énergie de la troisième révolution industrielle? Contrairement à ce que dit Rifkin, ce n'est pas du tout les nouvelles énergies vertes, le photovoltaïque, l'éolien, les hydrates de méthane ou la géothermie, ce n'est pas du tout ça. L'énergie qui est à l'origine de la troisième révolution industrielle, c'est une énergie très spéciale, c'est l'intelligence. La troisième révolution industrielle, elle commence très exactement en 1990, donc vous voyez, on est encore un siècle après, la découverte par Edison de l'électricité, l'ampoule à filament, on est à deux capis près, un siècle après, et ça commence donc avec la révolution du web. 1990, inventé par un Britannique, Tim Berners-Lee, et puis par un Belge, Robert Keyhoe. Invention géniale. Alors, ne confondez pas, comme beaucoup de gens le font, mais enfin ici, je pense que ce n'est pas la peine de le dire, ne confondez pas le web et le net. Le web est une application du net, une application géniale. C'est un modèle intellectuel grandiose. Le web, la toile, ça consiste à casser, à l'époque, il y a encore des silos sur le net, il y a encore des langages différents qui ne communiquent pas entre eux. Le web, c'est donc une application comme Entourage, par exemple, tout simplement. Le web, c'est une application qui va permettre de casser les silos sur le net et donc de mettre en communication tout le monde avec tout le monde à n'importe quel endroit du globe, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est la communication mondiale, donc l'image de la toile. Et c'est un modèle intellectuel absolument génial. Et vous voyez apparaître à partir de ce modèle intellectuel absolument génial qui permet pour la première fois à la mondialisation d'être incarnée dans une communication viable, si je puis dire, de tous les humains avec tous les humains. Et vous voyez apparaître comme toujours, à partir de cette invention géniale, cette nouvelle énergie qu'est l'intelligence. On est dans le domaine des bits, pas des atomes. On est dans le domaine de l'intelligence et pas des briquettes physiques, si je puis dire. Et vous voyez comme toujours apparaître les deux communications, des idées d'un côté, des choses de l'autre. Vous voyez apparaître l'internet, le web de la communication, en gros pour nous c'est Google. Et puis on peut y rajouter les réseaux sociaux, Instagram, Skype, bref, tout ce qui se passe sur la toile. Et entre parenthèses, la meilleure définition qu'on puisse donner du Big Data, alors évidemment, si vous allez sur Wikipédia, ou pire, si vous achetez un livre sur le Big Data, on va vous donner des définitions extrêmement compliquées, on vous parlera des 4V, vitesse, volume, variété, valeur, etc. Bon, la vérité, c'est que le Big Data, ça n'est rien d'autre que toutes les traces que nous laissons sur la toile. Sur le web, toutes, que ce soit sur Skype, sur Amazon, sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout ça, ces traces-là, dites-le à vos enfants, elles sont à jamais ineffaçables, ces traces. Et notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, a analysé de manière extrêmement intéressante, intelligente et profonde, il a analysé cette économie du Big Data sous le nom d'économie bifront, très intéressant. Parce que le big data, ces traces que nous laissons sur le web, quelles qu'elles soient, ces traces, comme vous le savez, sont récupérées par les grandes entreprises comme Google, comme Facebook, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux plus grandes. Et donc on récupère ces traces et on les revend à d'autres entreprises pour qu'elles puissent cibler leur publicité. Et donc c'est ce que Jean Tirole appelle l'économie bifront, parce que vous naviguez sur Google, pour vous c'est gratuit, il n'y a pas un compteur qui se met en marche quand vous allez sur Google et vous faites une recherche, quelle qu'elle soit. Mais c'est payant pour les entreprises qui vont racheter les traces que vous avez laissées. D'ailleurs, la phrase de Tim Cook, le patron d'Apple, était parfaite. Il a dit « Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». La phrase est impeccable. C'est une économie bifront, c'est gratuit pour vous quand vous naviguez, mais c'est payant. Et je vous donne un chiffre qui est fascinant. Google, déjà en 2011, a gagné 55 milliards de dollars juste en revendant nos traces, notre data, pour que les entreprises puissent cibler leur publicité. Si vous allez, vous naviguez, vous voulez changer de voiture, vous allez sur le site de Renault, de Peugeot, si vous n'êtes pas en forme, de Mercedes ou d'Audi, si ça va mieux, et immédiatement, vous recevez une pub pour Alfa Romeo ou pour BMW. C'est un algorithme qui le fait. Vous achetez un smartphone ou un chargeur sur Amazon, immédiatement, vous recevez, et d'autres ont aussi acheté ceci ou cela.
tout ça est fait automatiquement par algorithme, à la seconde même, c'est fait dans le dixième de seconde, et tout ça, évidemment, s'est revendu très cher aux entreprises qui ciblent la publicité sur vos navigations en se servant des data que vous avez laissées vous-même et qui sont encore une fois ineffaçables, ce qui est très dangereux d'ailleurs pour nos enfants et qui posent plein de problèmes que je laisse de côté sur le plan éthique, savoir à qui ça appartient, ce qu'on a le droit d'en faire ou de pas en faire. Mais je reviens là à ce que je vous disais sur la troisième révolution industrielle, donc une nouvelle énergie qui est l'intelligence. Et je disais, deux modes de communication, communication des idées, donc Google et les réseaux sociaux, et communication des choses à nouveau, c'est l'Internet des objets. C'est ça qui est fascinant. L'Internet des objets va tout changer à nos vies. Il y a aujourd'hui, mes amis, 15 milliards d'objets connectés dans le monde. Il y en aura 300 milliards à la fin de la prochaine décennie. Il y en aura partout, dans vos godasses, dans votre chien, dans votre chat, dans vos filles, dans vos enfants, dans le plancher, dans les murs. C'est évidemment aussi ce qui permettra à la Google Car d'être interconnectée, donc de fonctionner sans accident avec les autres Google Cars. Mais ce qui me fatigue en France quand on parle de l'Internet des objets ou des objets connectés, c'est qu'on donne presque toujours un exemple que je trouve particulièrement idiot et sans intérêt, c'est l'exemple du frigidaire connecté. Mais on s'en tape du frigidaire connecté. Qu'il soit capable de voir qu'il vous manque du jus d'orange ou du beurre et qu'il le commande lui-même au G20, on s'en fout. L'Internet des objets, c'est ce qui va permettre de régler dans 20 ans ou 30 ans, et peut-être même avant, la question du cancer. C'est ce qui va permettre de régler, par exemple, la question crucialissime aujourd'hui en termes d'État-providence de la grande dépendance. On a aujourd'hui des start-up qui se créent un peu partout dans le monde et qui sont capables, avec des algorithmes et des capteurs extrêmement fins, extrêmement intelligents, de surveiller chez eux des personnes très âgées ou chez elles, des personnes très âgées ou très malades, très dépendantes, sans les mettre dans des maisons de retraite ou à l'hôpital. Et ça, c'est des progrès formidables. Ça va permettre de lutter contre le terrorisme, contre la criminalité, d'organiser le trafic aérien, aussi d'organiser les actions humanitaires sur des territoires compliqués quand il y a des tremblements de terre ou des catastrophes, des tsunamis. Ça aura 1000 applications. Et donc, pas simplement le frigidaire connecté. Et puis vous avez, donc je disais, toujours trois niveaux dans une révolution industrielle. Une nouvelle source d'énergie, l'intelligence du web, modèle intellectuel. Deux modes de communication, communication des idées, disons Google, communication des choses, l'Internet des objets. Et puis troisième niveau, la naissance d'une économie nouvelle, qui est l'économie collaborative, dont le modèle est Airbnb. C'est le modèle parfait Airbnb. Et c'est exactement Uberpop. Uberpop, c'était parfait parce que c'était un particulier, c'était le vieux prof de collège qui arrondissait ses fins de mois en mettant sa voiture dans le marché et en se transformant lui-même en chauffeur de taxi privé. Eh bien, Uberpop et Airbnb, c'est vraiment le modèle parfait de l'économie collaborative. J'ai passé jeudi dernier la matinée avec le staff d'Airbnb à Paris. Il y a 66 000 chambres Airbnb à Paris. Vous vous rendez compte, évidemment, pour les hôteliers, ils ont raison de râler. Ils disent, mais attendez, nous, on a des normes handicap, des normes de sécurité, des salariés, des charges sociales, des murs. Airbnb, c'est trois fois la capitalisation en bourse du groupe Accor. Ils n'ont pas un lavabo, pas une salle de bain, pas un mur. C'est juste une application qui met des particuliers en relation avec des particuliers via intelligence artificielle, traitement du big data, c'est-à-dire de milliards de données en temps réel, et capteur qui est sur votre smartphone. C'est juste ces trois éléments-là. Donc l'économie collaborative, c'est exactement le contraire de ce qu'annonce cet imposteur de Rifkin. C'est exactement l'inverse. C'est marchandisation du monde, c'est dérégulation, c'est dumping social. Quand vous allez à Orly ou chez McDo, vous tapez vous-même votre carte d'embarquement sur un écran tactile ou votre menu McDo sur un écran tactile, l'entreprise ne paye pas de charges sociales sur le travail que vous faites. C'est marchandisation du monde, dérégulation, dumping social, et ce sont des nouveaux conflits entre les professionnels traditionnels et les nouveaux arrivants, qui sont très intéressants parce que les nouveaux arrivants ne sont pas des professionnels. Airbnb, il n'y a pas un hôtelier chez Airbnb. C'est juste l'intelligence artificielle, le traitement du big data et l'Internet des objets, ça n'est rien d'autre. Et on a là donc des conflits qui vont être très difficiles à réguler, parce que ce ne sont pas des conflits entre des bons et des méchants, mais entre des bons et des bons. Ils ont tous les deux raison. Airbnb a raison, ils rendent des grands services, et les hôteliers ont raison. Interdire Airbnb, comme on l'a fait à Barcelone, à New York ou à Berlin, est idiot.
Et donc on a là une troisième révolution industrielle qui est extraordinairement prometteuse, par exemple en matière de lutte contre le cancer, thérapie personnalisée. Sans l'intelligence artificielle, il est impossible de comparer entre elles des milliards de cellules cancéreuses. Aucun cerveau de médecin ne peut le faire. Et par exemple, Google s'est engagé avec 2500 hôpitaux américains à constituer la plus grande banque de données de cellules cancéreuses pour voir quels sont les médicaments qui fonctionnent, qui marchent, qui donnent des effets, quels ceux qui ne marchent pas. Dans les thérapies du cancer personnalisées, par exemple, on sait que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la localisation du cancer. Que ce soit un cancer du poumon, un cancer des reins ou un cancer du sein, on s'en fout, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est le type de mutation que la cellule cancéreuse est en train de produire, les séquences de mutations. Et donc, c'est sans l'intelligence artificielle, impossible de comparer ces cellules entre elles, ces séquences de mutations entre elles. Là, voilà une application extraordinaire, non positive, de l'intelligence artificielle et du traitement du big data. Mais encore une fois, il y en a mille autres. Donc moi je suis très optimiste sur ce qui se passe, mais en même temps, évidemment, il y a des très grands dangers aussi. J'en viens à mon deuxième point sur les deux retombées de cette troisième révolution industrielle. Vous voyez qu'on est loin de nos ancêtres les Gaulois. Mais c'est ça le problème de la politique française. Et ils pensent au chômage comme on en pensait dans les années 70, comme on y pensait dans les années 70, c'est complètement à côté de la plaque. On va avoir... je vous donne... un schéma de pensée qui est très profond, avant de regarder très rapidement les deux retombées, puis je m'arrêterai là, je regarde la montre, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est que je veux pas parler trop longtemps. Je vous donne un schéma de pensée parce qu'il est fondateur. La révolution, la protestation contre l'innovation technologique, c'est pas nouveau. Hein, les hôteliers qui râlent contre Airbnb ou les taxis qui râlent contre Uber, le premier modèle, c'est 1831. Et gardez-le en tête, parce que c'est un schéma de pensée, lui aussi, qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en 1831? En 1831, c'est la révolte des canuts à Lyon. À l'époque où il y avait encore des cours d'histoire chronologique, on a dû vous raconter ça. Moi, j'ai enseigné à Lyon, je dirigeais le département de Sciences Po à Lyon pendant 10 ans. Il n'y a pas un seul bouchon lyonnais ou niais, un plat qui s'appelle la cervelle de canut. Les canuts étaient des ouvriers tisserands. On les appelait les canuts parce qu'ils tissaient avec des grosses cannes, un peu comme les pêcheurs dans le sud de la France ravaudaient leurs filets, on voyait ça encore il y a 10 ans, avec des grosses aiguilles en bois qu'on appelait des cannes. Canuts, ouvriers tisserands. Qu'est-ce qui se passe en 1831? On importe la machine Jacquard. Dans mon enfance, il y avait encore des pulls Jacquard, je ne sais même pas si ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'était affreux d'ailleurs, mais bariolé ou épouvantable, on mettait ça à la montagne. Les pulls Jacquard. Et cette machine à tisser, évidemment, les ouvriers canuts, les tisserands, ils la regardent d'un mauvais œil, parce que cette machine à tisser, elle leur pique les emplois. L'innovation technologique détruit les emplois. Et donc que font-ils? C'est là que le mot sabotage apparaît pour la première fois au sens moderne, parce que les canuts jettent les sabots dans les machines à tisser pour les détraquer. Sabotage. Et après, ils jettent ces machines à tisser, ces machines Jacquard, ils les jettent dans la Saône ou dans le Rhône, et c'est là que la police intervient, la répression est terrible, et la cervelle des malheureux canuts se répand sur les trottoirs et sur les pavés des avenues. C'est la première grande révolte, elle préfigure exactement ce que nous vivons aujourd'hui, avec Airbnb, les hôteliers, Uber et les taxis, et ça va croître et embellir au fil des 2, 3, 4, 10 années qui viennent, de manière exponentielle. Parce que tout le monde peut être ubérisé. Blockchain et crowdfunding dans les banques, notaires, avocats peuvent être, ou juges, magistrats, mon ami Laurent Alexandre a fait un papier dans les Échos la semaine dernière sur l'ubérisation des magistrats, parce que pour analyser la jurisprudence, l'intelligence artificielle est mille fois plus performante qu'un magistrat. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de juges, mais ça veut dire que pour synthétiser cette masse de données, l'intelligence artificielle, comme pour les cellules cancéreuses, elle est incroyablement performante. Pour battre le champion américain de Jeopardy, vous savez, Jeopardy, c'est un jeu télévisé en langue naturelle. En fait, on donne la réponse et puis le candidat doit chercher quelle est la question. Par exemple, je vous dis Danny Cohn-Bendit, je dis n'importe quoi, et la question c'était qui était le leader des étudiants en 68, par exemple. Alors, en langue naturelle, en anglais. Et tenez-vous bien, l'ordinateur d'IBM s'appelle Watson. Comme la colite de Sherlock, eh bien Watson est capable, tenez-vous bien, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, de lire 200 millions de pages par minute.
même en 30 secondes maintenant, pour répondre correctement à la question. Donc évidemment, l'ubérisation est partout. Elle est, 70% des métiers peuvent être impactés par l'intelligence artificielle et par l'automatisation aujourd'hui. Et ça devait être, encore une fois, devrait être le problème numéro un. Donc je disais qu'il y a deux retombées de cette troisième révolution industrielle, j'y reviens maintenant. Deux retombées, d'un côté donc l'économie collaborative qui va bouleverser le monde des professionnels de la profession. Encore une fois, le groupe Accor, par rapport à Airbnb, c'est une capitalisation en bourse trois fois moindre. C'est fascinant. Donc encore une fois, c'est le contraire absolu de ce que dit Jeremy Rifkin, si vous l'avez dit. C'est-à-dire c'est super profit, marchandisation, dérégulation. C'est du super capitalisme, super schumpeterien. Ce n'est pas du tout la fin du profit ou la fin du capitalisme. Et puis de l'autre côté, vous avez une deuxième retombée qui va bouleverser nos vies, qui est le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Et je conclurai avec ça, je ne vais pas parler trop longtemps. Le transhumanisme, c'est trois idées qui reposent sur notamment deux inventions géniales de la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, en fait, elle comprend huit innovations. Ce qu'on appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, et puis cognitivisme, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, auxquelles on peut rajouter les imprimantes 3D, l'hybridation de machines, la robotique et les patchs de cellules souches. Et ces trois innovations, ces huit innovations convergent. Et dans le domaine des biotechnologies, ce qui est le plus important, c'est deux innovations récentes. Un, le séquençage du génome humain, et deux, le sécateur d'ADN inventé par Emmanuel Charpentier. Il y a 3-4 ans, c'est tout récent. Et je vous donne là aussi des indications avant de vous dire ce que c'est que le transhumanisme. Le premier séquençage du génome humain, il est achevé en 2003. Il a coûté, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage de génome humain, ça coûte 2000 euros. Et avant la fin de la décennie, ça coûtera moins cher qu'une prise de sang. Ça vous permet de repérer, en gros, les 60-70 maladies génétiques dont vous êtes porteur. Ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle, s'il n'y a pas de thérapeutique d'ailleurs, parce que ça va vous casser le moral sans bénéfice majeur. Mais parfois, ça peut être très intéressant. Par exemple, le scénario Angelina Jolie est directement lié à ça. Hein, on lui a dit, vous avez 95% de chances d'avoir un cancer du sein, chance au sens statistique, bien sûr, et donc elle a pratiqué cette mammosectomie, donc cette ablation des seins, parce que son médecin lui a dit, d'ailleurs probablement à très juste titre, que le risque était beaucoup trop grand pour ne pas faire quelque chose. Donc ça, ça supposait évidemment un séquençage de génome qui d'ailleurs pour le cancer du sein potentiel coûte 300 dollars aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc on a une deuxième innovation incroyable qui est justement ce petit sécateur d'ADN qu'on appelle le CRISPR-Cas9, je vous passe le sens de l'acronyme qui est barbare, mais c'est un sécateur d'ADN, c'est une enzyme qui permet de couper-coller l'ADN aussi facilement qu'on coupe ou on colle un mot sur un traitement de texte. Et ça ne coûte rien, quasiment rien. Avant, c'était très cher, les sécateurs d'ADN. Là, ça ne coûte pratiquement rien. Donc, voyez, l'idée qui est derrière, c'est qu'on va pouvoir pratiquer une ingénierie génétique dans le génome embryonnaire. Pourquoi? Par exemple, sur une maladie monogénique comme la chorée d'Huntington, l'idée, c'est qu'un jour, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on y arrivera. On pourra, dans l'embryon même, corriger le gène muté, le gène abîmé, si vous préférez, puis le remplacer par un gène en bon état pour éviter cette maladie terrible qu'est la chorée d'Huntington. Donc le transhumanisme, c'est trois idées, et j'aurais presque fini, je vous indique simplement les trois idées, qui font très très peur. Alors d'abord, c'est un mouvement qui est financé par les GAFA, notamment par Google, à coût de milliards de dollars. La création de l'université de la singularité par Google en 2008, et puis de Calico en 2013, c'est des milliards de dollars investis dans le projet transhumaniste. C'est pas une blague. Aux États-Unis, c'est des centaines de milliers d'articles, de colloques, de livres publiés sur le transhumanisme. Les plus grands intellectuels aux États-Unis et en Allemagne se sont intéressés au mouvement transhumaniste, pour être contre d'ailleurs souvent, mais peu importe. Ils s'y sont intéressés. En France, moi quand j'ai écrit La Révolution transhumaniste, mon ami Eric Orsella m'a dit « Mais tu es fou, ne lui donne pas à ton livre ce titre-là, personne ne sait ce que c'est ». Et c'est justement pour ça que je l'ai fait, parce qu'il fallait qu'on parle de ce mouvement qui est immense aux États-Unis depuis maintenant 25 ou 30 ans. Donc ces trois idées avec lesquelles je vous laisserai en paix, juste une petite conclusion. Ces trois idées sont les suivantes. Premièrement, le transhumanisme a pour projet de faire passer la médecine d'un modèle qui était le modèle antique, aussi bien chez les Chinois que chez les Grecs. Le modèle antique, c'était le modèle thérapeutique. On appelait le médecin quand on était malade, quand on s'était cassé la gueule. Il était là pour réparer, pour soigner.
modèle thérapeutique. Les transhumanistes veulent ajouter au modèle thérapeutique un modèle qu'on appelle le modèle de l'augmentation, une médecine méliorative. Il ne s'agit pas simplement de soigner, il s'agit d'améliorer l'espèce humaine, la rendre plus forte, plus intelligente, plus résistante, ce que vous voudrez. Et donc améliorer l'espèce humaine, en anglais ça s'appelle enhancement, ce mot revient des millions de fois dans cette littérature. Et donc les transhumanistes disent, mais voyez, il y a des intermédiaires entre la médecine traditionnelle et la médecine améliorative si vous préférez, c'est par exemple la chirurgie esthétique. La laideur, quelle que soit la définition que vous en donniez, n'est pas une maladie. Même chose, pardon, ça paraît bête et vulgaire, mais grossier, mais juste, c'est l'exemple que prennent les transhumanistes. Le dopage est une médecine méliorative, déjà. Le Viagra, médecine de l'augmentation, sans mauvais jeu de mots. Enfin, ou avec, d'ailleurs, peu importe. Vous avez vu la pub Fiat, elle est admirable, la petite cellule, la petite pilule bleue tombe dans le réservoir d'essence de la voiture, qui d'un seul coup, oui, je vois, vous avez suivi comme moi. Et donc, et oui, il y en a que ça concerne directement, mais... Et donc, on a là une médecine améliorative, la médecine du dopage. Parce que, vous voyez, le fait d'avoir des problèmes d'érection, disons à 95 ans, pour ne choquer personne, ce n'est pas une pathologie, c'est normal avec la vieillesse. Comme dit l'autre, en vieillissant, les raideurs se déplacent. Ce n'est pas très élégant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, on est clairement dans une médecine améliorative. Deuxième idée, améliorer quoi ? Ça, c'est très intéressant. C'est le projet de Calico, California Life Company. Le projet de Calico, c'est d'augmenter la longévité humaine. Contrairement à ce que les gens croient, on n'a jamais augmenté la longévité humaine. On a augmenté l'espérance de vie à la naissance, qui n'a rien à voir. On a augmenté l'espérance de vie à la naissance grâce aux antibiotiques, à toutes sortes d'innovations médicales, sociales et politiques, peu importe, alimentaires. Mais je vous donne les chiffres. En 1900, l'espérance de vie des Français était de 45 ans. Je fais la moyenne aux MEFA. En 1951, date fatidique puisque c'est celle de ma naissance, l'espérance de vie était de 63 ans, ce qui veut dire que je ne serai pas devant vous aujourd'hui statistiquement, ce qui serait extrêmement fâcheux, surtout pour moi. Et puis aujourd'hui, l'espérance de vie des Français est de 82 ans. On a presque doublé l'espérance de vie en un siècle. C'est extraordinaire. Eh bien, en même temps, on n'a pas augmenté la longévité. On meurt toujours autour de 100 ans. Jeanne Calment reste le record mondial, 122 ans. Voyez ? Donc on a augmenté l'espérance de vie, mais en éradiquant les morts précoces, mais on n'a pas augmenté la vie elle-même. Le projet de Calico, c'est d'augmenter la vie elle-même. Ils ont un modèle, allez voir, ne me croyez pas, il ne faut jamais me croire, allez voir sur Google vous-même, tapez « souris transgénique Université de Rochester ». Vous verrez des petites souris, mignonnes comme tout, comme toutes les petites souris, elles sont adorables, mais elles vivent 30% plus vieilles que les souris normales. Alors l'intérêt de la chose, donc elles sont transgéniques, en fait l'idée est la suivante, c'est que grâce à une transgénose, on peut, quand elles sont adultes, allumer les cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, ce sont celles qui sont en train de mourir et qui pompent énormément d'énergie. On les allume, on les détruit, un petit peu comme un jardinier va venir couper un arbre où il y a des branches mortes et l'arbre revit. Eh bien, ces souris vivent 30% plus vieilles, et surtout elles vivent en bien meilleure santé, avec peu de maladies liées à la sénilité, et une mobilité beaucoup plus grande, parce que le but de l'opération n'est pas de vivre plus longtemps complètement en garde dans un fauteuil roulant, évidemment, c'est de vivre en bonne santé, en forme. Et quelle est l'idée philosophique qui est derrière ? L'idée philosophique qui est derrière, c'est de réussir à fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, réconcilier les deux. Mon vieux père qui s'est évadé 4 fois des camps nazis, qui a vu des horreurs abominables que je ne peux même pas raconter et qui pouvait difficilement raconter lui-même, me disait toujours que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et j'ai toujours pensé qu'on n'était pas plus intelligent à 65 ans, ce qui est là, c'est mon âge, qu'à 20, mais on est tellement moins con que ça vaut quand même la peine. Et en tout cas, c'est ma conviction sans vouloir choquer personne. Et donc... La troisième idée, donc première idée, passer de la thérapeutique à l'augmentation. Deuxième idée, quelle augmentation ? C'est surtout augmenter vraiment la longévité humaine pour fabriquer une humanité plus sage, jeune et vieille à la fois. Alors on n'y est pas du tout, hein, pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais on a quand même réussi avec des petites souris. Mais si mon ami Axel Kahl était là, il me gronderait en disant « Mais non, Luc, fais attention, ne laisse pas de faux espoirs, les souris et les hommes, c'est pas la même chose. » Oui, je sais. Mais néanmoins, c'est quand même pas non plus n'importe quoi, les souris. C'est quand même des petits mammifères, c'est pas des champignons, c'est pas des mouches. Et donc, qui sait à quoi ressemblera l'ingénierie génétique en l'an 2300 ? Et puis, la dernière idée, et puis je conclurai, c'est « From chance to choice ».
L'idée est la suivante, c'est qu'on a créé des états-providence pour corriger les inégalités sociales, aider ceux qui sont trop faibles pour s'aider eux-mêmes. Et donc ce que disent les transhumanistes, c'est que le temps est venu de corriger non seulement les inégalités sociales et politiques, mais de corriger aussi les inégalités naturelles. Vous avez un enfant qui a la mucoviscidose, ça vous tombe dessus, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien fait de mal. La nature, elle est aveugle, elle est insensible, elle est amorale, elle se fout de nous. Ça vous tombe dessus, c'est chance, chance au sens statistique évidemment. Eh bien, si nous pouvons choisir de corriger cette nature, par exemple de corriger dans l'embryon une chorée d'Huntington, eh bien faisons-le. Et si vous ne le faites pas parce que vous êtes un cathode choc avec les bougies, eh bien vos enfants vous reprocheront de ne pas l'avoir fait s'ils attrapent cette saloperie. Vous voyez, c'est ça l'idée. Je vais très vite, mais c'est pour gagner du temps, pour qu'on comprenne les enjeux aussi spirituels, éthiques et politiques. Alors, ma conclusion, elle est très simple, elle est double. Un, aussi bien dans le domaine de l'économie collaborative que dans le domaine du transhumanisme, il va falloir réguler. Réguler. On ne pourra pas tout autoriser et tout interdire est absolument idiot. La régulation, c'est le compromis. Ce sera très difficile. Pourquoi ? Parce que, un, c'est hyper technique. C'est-à-dire que toutes ces nanotechnologies, biotechnologies, informatique, intelligence artificielle, ça va extrêmement vite. Et la robotique encore plus, les imprimantes 3D sont incroyables. On imprime des tissus humains aujourd'hui. Donc tout ça va extrêmement vite. Deux, c'est super technique, c'est-à-dire qu'on peut épuiser une vie de chercheur sur chacune de ces petites disciplines, si je puis dire. Et trois, c'est mondial. Ce qui fait qu'une législation purement française, nationale, n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a interdit en France l'insémination artificielle avec donneur aux femmes seules. Ça visait les lesbiennes, notamment. C'est absurde, c'est juste pour emmerder les Français. C'est autorisé à Londres et à Bruxelles, donc ça ne sert à rien. Ou bien les législations sont européennes ou mondiales, ou bien elles ne servent à rien. On les contourne immédiatement, donc ça n'a aucun sens. Ça fait plaisir au lobby catholique du Sénat, mais ça ne sert à rien. Ça, c'est ma première conclusion, il va falloir réguler. Et ma deuxième conclusion, très rapidement, pourquoi, mes amis, tout est américain ? Pourquoi ces fichus GAFA sont américains, tout vient de la Silicon Valley ? Et quand c'est pas américain, c'est chinois, israélien ou suisse. Très intéressant, je termine avec ça. Il y a toutes sortes de raisons, mais il y en a une dont on ne parle pas suffisamment et qui est en fait, à mon avis, la plus importante, et qui est spirituelle. Quatre grandes spiritualités, quatre familles spirituelles, pour parler comme Barès et Peggy, quatre familles spirituelles ont fait l'Occident. Athènes et Jérusalem, les Grecs et les Juifs. Les Grecs inventent la démocratie et la philosophie, les Juifs inventent le monothéisme, c'est pas rien. C'est d'ailleurs assez marrant parce que ces deux chiots de bouche sur la carte, c'est rien. C'est deux petites cités de rien du tout. Elles inventent les deux piliers les plus importants de la civilisation occidentale. Et puis après, naissant du judaïsme, le christianisme qui va se fragmenter en deux à partir du XVIe siècle entre catholiques et protestants. Eh bien, dans ces quatre spiritualités, grecques, juifs, protestants et catholiques, il y en a trois qui considèrent que le scandale dans l'existence humaine, c'est la misère et pas la richesse. La richesse, c'est ce qui vous permet, si vous êtes un type bien, d'aider ceux qui sont dans le malheur. Comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Quand la gauche aura compris, enfin elle l'a compris avec Macron, mais enfin il est quand même assez marginal, quand la gauche aura compris que pour partager les richesses, il faut d'abord les produire, on aura fait un grand pas. Pour être généreux, il faut être riche. Vous pouvez faire de la justice sociale quand vous avez produit des richesses. Moi, je suis 100% libéral en économie et 100% social-démocrate en politique sociale. C'est la seule martingale qui tienne. Les catholiques, c'est l'inverse. Les catholiques considèrent que le scandale, c'est la richesse, en tout cas dans toute la tradition du catholicisme social jusqu'à l'encyclique de François Laudato aussi. Les catholiques considèrent que le scandale, c'est la richesse et que la misère est une voie d'accès au paradis. Alors si j'avais le temps, je complexifierais les choses, mais globalement c'est ça. Parabole du jeune homme riche, on connaît la chute, rarement la parabole aujourd'hui, le déclin de la culture théologique est très grand. C'est un jeune juif qui va voir Jésus, le rabbin de Nazareth. Jésus n'est pas un chrétien, c'est un rabbin évidemment. Et lui dit, Rabbi, que faut-il faire pour entrer au royaume ? Et Jésus lui répond, réponse de grand juif à un petit juif, eh bien respecte la loi, le décalogue. Et le jeune homme, un peu vexé, dit, ah oui, bien sûr que je respecte la loi, sous-entendu, je suis juif. Et Jésus lui dit, bah, si tu respectes la loi, va plus loin. Et puisque tu es très riche, vends tes biens et distribue-les aux pauvres. Et c'est là que le jeune homme s'en va en pleurant parce qu'il se sent incapable de se séparer de ses avoirs. Et Jésus se retourne vers ses disciples et leur délivre le message bien connu. Il sera aussi difficile à un riche
d'entrer au royaume qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Je rappelle toujours que le chat d'une aiguille n'est pas le trou d'une aiguille, mais une porte de la ville par laquelle les chameaux étaient obligés de se baisser. Et donc cette parabole, qui est très belle d'ailleurs, elle va inspirer toute la tradition du catholicisme social jusqu'à l'encyclique de François. J'ai très très grande admiration pour François, je trouve ça un type formidable. Je parle du pape, mais c'est vraiment quelqu'un d'admirable. Mais c'est vrai que son encyclique, c'est une horreur. C'est du Cécile Duflot rectifié ma mère, c'est un truc abominable. Et donc, voilà, le type est adorable, il est charmantissime, je trouve. Vous savez, là où il m'a fait le plus rire, je sais pas si, allez voir ça aussi sur le net, ce serait drôle, quand il arrive et qu'il s'adresse aux cardinaux. Il leur dit, courez pas après les petits garçons, vous intéressez pas à l'argent, enfin, un certain nombre de conseils raisonnables dans une église. Et puis, un moment où il s'arrête, mais écoutez, c'est vrai ce que je veux dire. Et il leur dit, puis arrêtez les têtes d'enterrement. Vous imaginez la tête des types qui entendent ça, les cardinaux violacés, là, qui devaient écouter ça, la première fois qu'on leur parlait comme ça. Mais de grâce qu'ils ne se mêlent pas d'économie. Le catholicisme a des côtés spirituels et grandioses, une philosophie de l'amour merveilleuse, mais en économie, évidemment, c'est un désastre. Merci de votre attention. Et ce que vous allez découvrir dans la suite de cette soirée, à savoir de magnifiques collections des contrées extra-européennes. Deux images me viennent immédiatement en tête et qui font écho quand même aux propos que nous venons d'entendre. La première est africaine. C'est une œuvre peut-être assez emblématique des productions d'Afrique équatoriale, qu'on appelle les Nkissi du Congo, qui sont appelées aussi fétiches à clous. Ce sont des statues, la plupart du temps de forme humaine, qui ont vocation à soigner les maux, les troubles que rencontre soit un individu ou bien une société tout entière. Chaque clou planté dans le corps du personnage incarne un acte de guérison qui est opéré par le médecin traditionnel qu'on appelle le Ganga. Je trouve que ces objets pourraient apparaître à la lumière des pratiques transhumanistes un petit peu comme des métaphores de ces êtres humains augmentés, bien que là on soit face à plutôt des œuvres d'art augmentées puisqu'elles sont destinées à recevoir de plus en plus de clous au gré de leur usage au fil du temps. Mais finalement le but est le même, c'est produire un objet qui prend une forme humaine pour repousser le mal, repousser le trouble et assurer le bien-être d'un individu et de toute une communauté. La seconde image qui m'est venue à l'esprit, elle vient d'Océanie, elle est relative en fait à des pratiques d'économie collaborative aussi, si je puis dire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque là-bas il y a une organisation bien particulière du pouvoir qui est que chaque année en fait un individu, sous forme d'une sorte de joute, si je puis dire, les individus vont présenter à l'ensemble de la communauté les biens qu'ils ont réussi à produire sur une période donnée, on va dire une année. Et la présentation de cette accumulation de biens va permettre de l'élection en fait de celui qui sera digne d'être au sommet de la hiérarchie de la société et de diriger l'ensemble du groupe. Et pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait il prouve par sa capacité à produire en quantité un savoir-faire pour assurer le bien-être de l'ensemble de la communauté. Et ces richesses sont ensuite redistribuées à l'ensemble du groupe. Donc chaque année, ça veut dire qu'à chaque nouvelle joute, le pouvoir est complètement remis en branle et de nouveaux individus peuvent accéder à cette place, on va dire, sommitale dans l'échelle sociale. Vous allez être amené à poser vos yeux sur des collections dans cet illustre musée du Quai Branly, collections qui me sont chères. Et je souhaiterais que vous vous intéressiez à ces peuples nombreux qui ont créé ces œuvres d'art. Et vous verrez, et ça va peut-être vous surprendre, que la plupart d'entre eux ne remontent pas à des temps antédiluviens, à des temps immémoriaux, mais qu'au contraire, ils sont pour la plupart des productions modernes et contemporaines, c'est-à-dire des objets des 19e et 20e siècles. Il y a une immense variété des formes,
des techniques et des savoir-faire qui sont illustrés à travers ces très nombreux objets conservés ici. Et finalement, ils relatent tous des esthétiques extrêmement diverses qui ont atteint vraiment de véritables aboutissements formels et qui sont d'une très très grande finesse. Ainsi, je milite très fermement contre l'appellation d'art premier et d'art primitif qui, en plus d'être finalement assez injurieuse, parce qu'elle sous-tend que nous sommes les chefs de référence en Occident en matière d'aboutissement plastique et que finalement ces œuvres-là ne sont qu'à un premier stade de développement d'un point de vue esthétique et plastique. Et en plus, c'est un non-sens total puisqu'elles ne sont venant aucune antériorité chronologique par rapport à celles que nous produisons ici en Occident. Ce sont donc des objets qui illustrent, qui sont la preuve donc, de cultures très variées, très complexes, avec des échelles de valeurs vraiment différentes des nôtres. Et d'ailleurs, le geste créatif, ou bien le matériau qui a été utilisé, a souvent bien plus d'importance que l'objet qui a été produit. Finalement, la geste qui va primer sur le produit fini. Et pourquoi cela? Parce que finalement, l'objectif de la plupart de ces œuvres est finalement l'atteinte du beau. Elle n'a vocation qu'à permettre un meilleur accès vers des dimensions, on va dire, immatérielles et des communications avec ce qui est impalpable, à savoir le monde des esprits et le monde des ancêtres. Il me semble de ce fait qu'aujourd'hui, une lourde mission nous incombe à nous conservateurs de musées, de petites, c'est mon cas, ou de très grosses collections, à faire un travail important de rendu de cette immatérialité des objets que nous conservons dans nos vitrines. Ça paraît très paradoxal, mais la plupart de ces œuvres avaient vraiment une part d'immatérialité qui était prépondérante par rapport à leur matérialité visible aujourd'hui dans nos salles de musée. Un masque africain, en effet, n'est rien sans la danse qui le met en action et la musique qui va guider ses pas. C'est par le mouvement, c'est quand il se meut, que ce dernier va revêtre une importance considérable aux yeux des peuples qui l'ont produit. Il est figé, parcellaire, placé derrière nos vitrines de verre, et il n'est presque rien de ce qu'il a été, de ce qu'il fut dans le passé. À ce titre-là, il nous semble, et on a de nombreuses réunions régulières entre professionnels des musées, que le numérique ouvre de manière considérable le champ des possibles et qu'il est finalement peut-être une source pour arriver à régénérer ces œuvres d'art extra-européennes. On a peut-être commencé par bribes à imaginer des dispositifs, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer dans ce domaine. Et c'est finalement toute notre perception de ces patrimoines qui va être amenée à évoluer, mais à travers eux bien sûr de ces populations, à travers une évolution elle-même de nos muséographies dans nos musées occidentaux. Approchez ces arts et ces peuples et vous découvrirez des mondes avec une histoire, et je dis bien une histoire avec un grand H, malgré ce qui a pu être dit par certains hommes politiques, une très grande diversité et une complexité insoupçonnable dont je vous disais tout à l'heure. Plus que tout, vous verrez que ces parties du monde n'ont pas échappé aux mutations régulières qu'ont connues tous les peuples de la planète. Il n'y a pas de peuple qui vive isolé, coupé du monde, même dans les plus petites îles du fin fond du Pacifique Sud. Toutes ces populations étaient en contact permanent avec d'autres sociétés. Et ce, bien avant le bouleversement majeur qu'a constitué la colonisation. Ce qui nous induit souvent en erreur, c'est le fait qu'on soit face à des populations bien souvent sans écriture, que les œuvres d'art qui étaient produites sont interchangeables. Il y a une notion de conservation n'a souvent pas lieu d'être dans ces populations, puisqu'un objet considéré comme inutile était jeté, mis au rebut, et un nouvel objet, qui avait une forme similaire ou légèrement différente, pouvait être produite pour rentrer en action au sein du groupe. Il faut savoir aussi que leur conservation elle est très difficile dans des pays où la plupart du temps le climat est chaud et humide et où les matériaux de prédilection qui sont utilisés pour les produire sont le bois, la fibre, enfin des matériaux organiques qui ne supportent pas du tout ces climats tropicaux. Donc le souci, c'est que nous n'avons pas de continuum historique au fil du temps. Nous avons des vrais trous chronologiques. Et ce que vous allez voir dans les salles ne représente pas finalement une production plastique à la manière d'une histoire de l'art, si vous voulez, pour ces différentes zones géographiques.
Ce sont quelques exemples rescapés, si je puis dire, de production par des populations. Et ces populations, elles ont bien sûr changé au gré de leur déplacement, de leur rencontre avec des étrangers, qu'ils soient issus du même continent ou d'autres continents. J'irai même plus loin en vous disant que mon sentiment aujourd'hui, après quelques années, même si je pense que ma carrière est encore largement devant moi plutôt que derrière, mais ces quelques années passées à étudier les arts africains plus spécifiquement, m'ont au contraire mis en évidence le fait qu'on était face à des populations qui, loin de vivre en autarcie, étaient plutôt d'une capacité incroyable à absorber la nouveauté. J'emploie à dessein ce terme d'absorption parce que c'est vraiment une incorporation très profonde de formes, de matériaux, de techniques nouvelles qui étaient vraiment digérées au point de nourrir des créations proprement inédites et de fabriquer des formes qu'on n'avait jamais vues jusqu'alors. Les exemples sont très nombreux, j'y ai consacré une exposition entière l'année dernière au musée d'Angoulême, et ils sont paradoxalement souvent considérés comme les objets représentatifs de l'art premier ou primitif. Je voudrais juste vous citer deux exemples que je trouve tout à fait fascinants. Ce sont ces gardiens de reliques Kota que vous allez sans doute voir au cours de votre visite. Ce sont des objets qui ont une forme, on va dire humaine, avec un bas de corps triangulaire et qui ont la particularité d'être faits avec une lame de bois et des plaques de laiton. On a vu une quantité très importante de ces objets produits après l'arrivée des Portugais sur les côtes d'Afrique équatoriale. Et cette production, en fait, elle a pu se développer de cette manière parce qu'il y avait eu des échanges commerciaux qui s'étaient mis en place sur ces côtes africaine et que ce matériau qui existait par ailleurs sur le continent africain est arrivé en quantité très importante. Il arrivait sous forme de chaudrons, qu'on appelait les Neptunes, ou sous forme de bobines de fil, et les populations africaines les ont très directement intégrés dans la production de ce qui est pour eux le plus important des objets qui soient, l'effigie chargée de conserver, de protéger les ossements des ancêtres, sachant que toute la société d'ailleurs basée sur ce culte des ancêtres. Un autre exemple tout à fait intéressant est celui de la perle de verre. Vous avez énormément d'objets qui ont été produits avec des perles de verre qui viennent de Venise et de Bohême, donc des productions occidentales, et qui sont devenues de véritables monnaies d'échange à travers le continent africain. Et certaines populations, comme les populations sud-africaines, pense notamment aux Zoulous, aux Ndébélé, ont totalement intégré ce nouveau matériau au point d'atteindre une dextérité technique tout à fait surprenante, qu'on n'a pas su développer d'ailleurs dans nos propres pays, et on en fait en fait une véritable langue, puisque les parures produites avec ces perles de verre étaient comme finalement un langage visuel aux yeux des autres personnes pour indiquer son statut social, son stade d'évolution dans le cycle d'une vie humaine, si on avait été initié ou pas, et sa provenance géographique, son identité culturelle. En Océanie, ça va peut-être même encore plus loin. On allait à la rencontre de l'autre, de l'étranger, pour pratiquer des échanges commerciaux, mais aussi pour lui acheter des rites, des coutumes, des danses. Donc des éléments, des ferments de culture, en fait, et d'identité culturelle. Donc vous voyez que ces éléments nous montrent qu'en fait, finalement, l'intégration de la modernité, elle se faisait de manière récurrente et elle était au contraire finalement peut-être un gage de réussite dans l'exécution des rites. On n'oublie pas bien sûr en miroir le rôle majeur qu'ont joué les arts extra-européens dans l'élaboration aussi des arts occidentaux. Je pense au goût pour les chinoiseries au XVIIIe siècle, au courant du japonisme à la fin du XIXe siècle et à l'observation très minutieuse qui avait été faite des arts africains et océaniens par les avant-gardes du début du XXe siècle. Méfiez-vous donc de ce terme de tradition, qui m'avait été d'ailleurs interdit d'utiliser dans l'ensemble de mon mémoire de master, et ça m'avait donné beaucoup de fil à retordre, mais finalement permis de me poser les bonnes questions. Le terme de tradition ne recouvre qu'une pratique, une habitude sur une période donnée, il est borné dans le temps, mais il n'existe aucune permanence des cultures, pas un avant et un après, mais des états successifs transitoires. Les artistes contemporains extra-européens ne démentent pas ce constat. Ils sont connectés au monde d'une très grande mobilité. Ils font usage de tous les outils actuels de la création que sont la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l'installation ou la performance. Ce vocabulaire plastique commun pose d'ailleurs des questions puisqu'aujourd'hui rien ne distingue à proprement parler formellement ces arts contemporains extra-européens de ceux qui sont produits dans le reste du monde.
Nous sommes donc entrés vraisemblablement dans une ère d'un art plus globalisé, où ce sont finalement les propos individuels des artistes qui vont témoigner des préoccupations d'une société, plutôt qu'un langage plastique commun à un groupe d'individus comme c'était le cas par le passé. Les avancées fulgurantes récentes hein, dans le champ des nouvelles technologies dont nous venons de parler semblent annoncer donc une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité. Peut-être avons-nous à apprendre de ces témoignages du passé venus d'ailleurs, car ils nous montrent la capacité des peuples à toujours se reconstruire et s'enrichir de la nouveauté. Je vous invite maintenant à poursuivre cette incursion dans des univers qui vous sont peut-être peu familiers, en compagnie des nombreux conférenciers qui vous attendent du côté du cocktail et qui vont vous guider pendant une heure à travers donc ce superbe plateau des collections pour poursuivre cette réflexion sur l'identité et le devenir de nos civilisations. Je vous remercie. Très bonne soirée.